Moi, la première fois que je l'ai fait, j'avais 19 ans. Je me rappelle, j'étais très gêné. Moi, la première fois, c'était dans le gymnase d'une école. Moi, une vieille madame qui a voulu m'apprendre. Moi, je savais pas du tout comment m'y prendre. Mais la première fois, j'étais toute excitée. Ça m'est jamais arrivé. Je l'ai pas encore fait. J'étais gêné de poser des questions au début, puis ça s'est fait naturellement, facilement. Avant de le faire, j'en ai parlé avec ma mère. Savoir comment ça se passait. Je suis allé voir sur l'Internet. Ça allait vraiment, vraiment simple. Au début, j'avais vraiment peur que ce soit long, mais finalement, ça va beaucoup plus vite qu'on le pense. La première fois, je savais pas trop quoi faire parce que j'étais un peu mésadapté puis mes gestes étaient malhabiles. Mais maintenant, je sais quoi faire. Je sais comment voter. Maintenant, je sais comment voter. C'est simple, c'est important. Voter, c'est un privilège, c'est une façon de prendre la parole, genre « Je vote pour un tel, je vote pour une telle! » Mais c'est mieux de voter dans l'isoloir que de le crier. Faut pas oublier que chaque vote compte. Je le fais pour mon avenir, mais surtout, je le fais pour l'avenir de mon enfant. Aux dernières élections fédérales, seulement 37 % des jeunes ont voté. Plus les jeunes vont voter, plus les politiciens vont nous écouter. Il y a comme une corrélation directe. Ça va ensemble, de concert. Moi, je veux être entendue, c'est pour ça que je vais aller voter. Ça va être la première fois de ma vie, et je veux surtout pas manquer ça. Moi, j'aime voter parce que j'aime les crayons, j'aime les urnes, j'aime les cases, j'aime biffer dans des cases. Bref, tout ça, c'est comme un beau paquet cadeau. Moi, je vote. Je vote. Le 2 mai prochain, moi, je vote. Pour savoir si tu es inscrit sur la liste électorale, tu devrais recevoir une carte d'information de l'électeur par la poste, comme celle-ci. Si tu n'as pas reçu cette carte ou si tu veux plus d'informations sur la campagne, je t'invite à consulter notre site Internet au www.quivotegagne.com.